Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette première conférence liée au 150e anniversaire de la Commune. Une première conférence qui en appelle d'autres cette semaine-ci. Je ne vais pas être très long pour laisser la place évidemment à nos participants. Néanmoins, je voudrais quand même présenter le programme de cette semaine, les activités qui ont lieu à l'université aussi en lien avec ces événements. Mais avant toute chose, une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer par des remerciements. Remercier les participants d'aujourd'hui, de la semaine, d'avoir fait l'effort de ces conférences en ligne que je pense que la plupart d'entre nous n'apprécient que peu. Et là, vraiment, c'est un très, très chaleureux remerciement de ne pas avoir reporté tant d'activités. Et puis surtout, je tenais à remercier, mais vraiment très très chaleureusement, Francine. Francine qui a fait un travail de dingue. Moi, j'aurais, je pense, baissé les bras. Et si on a tous ces événements qui se font actuellement cette semaine, eh bien, c'est, on dirait, presque 100% grâce à Francine. Vraiment, tous mes remerciements, quelle dévotion, quel dévouement plutôt. Vraiment, je suis admiratif. Donc cette semaine, on inaugure une série de petites conférences en lien avec différents auteurs, penseurs qui ont écrit autour de la Commune. On a déjà commencé une première exposition en plein air qui s'appelle Vive la Commune sur l'avenue Égée à l'Université libre de Bruxelles, qui sera visible jusqu'au 16 mai, donc vraiment en plein air, libre d'accès. Juste en face, vous aurez les presses universitaires de l'ULB qui ont mis une table spéciale pour les publications en lien avec la Commune et notamment les publications des intervenants de cette semaine. Alors, juste pour préparer la semaine, aujourd'hui nous aurons Jean-Louis Robert, Marc César et Laure Godinot qui vont parler d'une part l'histoire et mémoire de la Commune. Des relectures potentielles aussi autour de ce sujet. Je vais y revenir tout de suite. Mercredi, deux autres conférences par Jean-Michel Dufay sur les francs-maçons et la Commune et Francis Sartorius sur les proscrits de la Commune Belgique, issu évidemment de son livre. Et puis vendredi, grosse soirée avec d'une part Chloé Leprince qui viendra nous parler de la figure de la pétroleuse et Quentin Deluermos qui viendra nous présenter son livre sur une histoire mondiale de la Commune. En deuxième partie de soirée, il y aura une rencontre organisée en lien avec l'Union des progressifs juifs de Belgique, une rencontre avec le collectif Krasny. Et puis samedi, dernier événement, deux présentations, une de Dominique Villers-Poiré sur Rosa Luxembourg et la Commune de Paris. Et puis Éric Toussaint qui vient nous parler comment la Commune de Paris peut encore nous inspirer aujourd'hui, notamment en lien avec la question de la dette et du crédit. Malheureusement, la séance, la soirée littéraire, excusez-moi, prévue mardi prochain, 11 mai, à la Maison du Livre, est reportée à l'automne prochain. Donc, sans plus attendre, je me fais une joie et un plaisir de vous présenter nos interlocuteurs de ce soir. Pas oublier que vous pouvez déjà poser vos questions dans les commentaires sur le côté, mais il y aura un temps, donc une demi-heure à la fin des exposés pour poser vos questions également et pour que nos interlocuteurs puissent y répondre. Tout d'abord, eh bien, Jean-Louis Robert, spécialiste de l'histoire sociale, hein, du syndicalisme, de l'histoire sociale de la Première Guerre mondiale et évidemment de la Commune de Paris, collaborateur et force motrice au Métron, président d'honneur des Amis et des Amis de la Commune, qui a notamment dirigé en 2015 un livre sur le Paris de la Commune, comme disait Francine, un très beau titre, et qui vient de publier avec Carole Trébor une bande dessinée Rouge Estampe, et qui nous parlera aujourd'hui donc de l'histoire et de la mémoire de la Commune. Nos deux autres participants, et je les remercie également d'être là ce soir, Marc César et Laure Godinot. Donc Marc César est enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université de Paris 13,
spécialiste de l'histoire politique et sociale plutôt du 19e siècle. Laure Godinot est maîtresse de conférences en histoire contemporaine également à l'Université Paris 13, spécialiste du 19e siècle, et tous les deux ont ce point commun d'avoir la commune comme centre d'intérêt dans leur recherche. Et ils viennent de publier en 2019 un important livre sur la relecture ou les relectures de la commune de Paris, un ouvrage collectif dont ils vont nous parler aujourd'hui. Voilà, j'ai, je pense, assez parlé. Je remercie encore tous ceux qui sont présents ce soir. Je remercie nos intervenants et je remercie vraiment du plus chaudement que je peux Francine pour tout son travail. Je passe la parole sans plus attendre donc à Jean-Louis Robert. Bonjour, donc j'espère que vous m'entendez bien et que la connexion est bonne. Donc, merci d'abord évidemment à nos amis belges hein, d'avoir organisé cette magnifique série d'initiatives sur la Commune de Paris. Vraiment, c'est vraiment formidable. Et effectivement, merci à Francine qui a vraiment été la cheville ouvrière de toutes ces initiatives et grâce à elle que nous sommes aujourd'hui réunis. Donc, on m'a demandé de traiter d'histoire et mémoire de la Commune. C'est un sujet immense, surtout si je voulais traiter l'histoire de la mémoire de la Commune. Donc, j'essaierai d'aborder cette question par différents biais et en étant fondamentalement toujours très rapide et très très succinct. Moi-même, je suis un peu à la limite des deux puisque, d'une part, je suis un universitaire professionnel, tout à fait patenté, comme on dit, et d'autre part, je suis président d'honneur des Amis ES et Amis S de la Commune de Paris. Donc, ce qui signifie que je me situe en empathie effectivement avec la Commune de Paris, mais qu'en même temps j'essaye de travailler comme historien. Donc je suis vraiment un peu à cette charnière qui me rend très sensible à ce sujet. Alors pour aborder toutes ces questions immenses, j'ai choisi quatre grandes parties. Une première partie qui sera consacrée à la mémoire elle-même vue par la Commune, enfin certains aspects de la Commune. Une deuxième partie sur les analyses politiques que vous connaissez, j'imagine, mais qu'on ne peut pas évacuer dans un exposé de ce type, les grandes analyses classiques de ce qu'était la Commune de Paris. Et en troisième et quatrième partie, plus proprement parlé, la mémoire et l'histoire que j'ai séparées pour la facilité des choses, mais qui bien sûr se chevauchent, mais pas entièrement, car les chronologies de l'une et de l'autre ont des marges d'indépendance sur lesquelles je reviendrai. Alors le premier point que je voulais évoquer, c'est que la commune elle-même, partir de la commune elle-même, et rappeler qu'évidemment la commune prétendait, voulait assurément agir pour l'avenir et que l'avenir était un point essentiel de ce que rêvait, pensait, voulait faire la commune. Alors je n'ai pas le temps de le développer et donc elle espérait que par sa propre victoire et au-delà, elle ouvrirait un monde nouveau. Donc il y a déjà cet aspect-là qu'on pourrait développer, mais je voudrais moi me recentrer sur autre chose, à savoir que pendant la Commune même, il faut bien comprendre que à partir d'un certain moment, beaucoup de communards ont envisagé la possibilité d'un échec. Et au fond, en envisageant cet échec, ils ont eux-mêmes eu le sentiment que ce qu'ils faisaient, même s'ils échouaient, ouvrait un chemin à l'avenir. Et ça me semble important pour concevoir notre mémoire même de la commune, que de partir de cette idée que la commune a pensé à ce qu'on verrait d'elle. Et elle a des assurances, finalement, la commune à ce niveau-là. Elle a des assurances à trois niveaux que je voudrais évoquer, qui sont
premier point qu'elle agit avec des principes qui sont éternels. On sait, mais j'ai pas le temps de le développer, que chez les communards, les communardes et les communards croient beaucoup à la puissance de l'idée avec un grand I. Donc ils sont imbibés de ça dans leur démarche, et on le retrouve dans des textes, par exemple le français qui dit: si un jour la commune était vaincue et que si la tourmente pouvait faire disparaître nos institutions, il faut qu'elle ressorte un jour radieuse, glorieuse, parce que les principes auront été affirmés et qu'ils sont immortels. Applaudissements de la salle du théâtre lyrique où il parlait. Donc il y a ce premier point, l'idée que ce qu'ils font s'appuie sur des principes immortels qui donc vont circuler après la commune. Un autre exemple qu'on pourrait signaler: le progrès marchera quand même. Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne. L'idée que de toute façon le progrès marchera quand même, on pourra nous détruire, on ne détruira pas les principes, dit un bon rouge. Voilà, il y a premièrement ce sentiment qu'il se situe dans cette histoire des idées, de principes qui vont circuler après eux jusqu'à nos jours, jusqu'à une sorte de victoire finale. Deuxième point qui pour eux est très important, c'est l'idée que ce qu'ils font a un champ universel et que donc son action va se perpétuer dans le monde. Dans le décret même qui annonce le renversement de la colonne Vendôme, plutôt un compte-rendu que le journal officiel en fait, il est écrit que le monde en soit bien convaincu. Les colonnes que la commune érigera perpétueront le souvenir de conquêtes glorieuses dans le champ de la science, du travail et de la liberté. Donc voilà, c'est universel. Le monde doit être convaincu que ce que la commune fait va dans ce champ. Et enfin, leur troisième élément qui pour eux est extrêmement important, c'est leur propre action concrète, et en particulier les décrets de la commune. Il y a un magnifique article de Jean-Baptiste Clément qu'il écrit dans Le Cri du Peuple qui s'appelle « Les décrets de la commune » où il écrit ceci. Quand bien même il y aurait la victoire des Versaillais, vous ne parviendrez pas à enlever de nos esprits les principes qu'ils ont affirmés. Vous n'empêcherez pas que le peuple ait vu là le salut des travailleurs du monde. Surtout, dit-il, ces décrets sont deux monuments qu'ils, les Versaillais, ne peuvent abattre. Ce sont des monuments que les Versaillais ne détruiront ni à coups de plume, ni à coups de canon. Donc voilà, si nous sommes détruits, nos décrets resteront comme nos monuments. Et je pense que c'est aussi très important, et que c'est un enjeu de la mémoire de la commune, autour de ce que peut être la construction d'une mémoire de la commune. Est-ce une guerre civile, des barricades, une insurrection, les destructions, ou est-ce d'abord ces décrets qui construiront la mémoire de la commune? Et eux, c'est un de ces grands axes auxquels ils pensent. Et il me semble d'ailleurs que c'est très intéressant de constater que dans la crise démocratique que nous vivons, ce qui revient dans la mémoire la plus immédiate depuis une dizaine d'années, c'est bien aussi, au-delà même de ce que peut faire l'historiographie, beaucoup que cette commune a cet aspect d'expérience par ses décrets, d'expérience démocratique, sociale, bon là je ne développerai pas, qui résonne encore dans les discussions d'aujourd'hui. Voilà mon premier point, parce qu'il me semble qu'il fallait ne pas oublier que il y a dans la commune même des éléments qui nous permettraient d'aller plus loin que je ne le fais aujourd'hui dans ce processus de histoire et de mémoire. Ils avaient pensé et ils agissaient pour l'avenir, même en envisageant, ce qui est toujours peu évident lorsque l'on combat l'échec, mais ils l'envisageaient. Deuxième point que je veux évoquer,
C'est donc des analyses, des grandes analyses, qui ont été construites finalement et écrites et élaborées très vite après la Commune. Alors, ce sont d'ailleurs des analyses qui ont une grande puissance, hein, et qui restent encore débattues, et qui restent encore très actuelles, même si elles sont discutées, remises en question, et si elles bougent. Bien sûr, donc là, je pense que vous connaissez bien sûr tout, donc je serai très rapide, mais on ne peut pas ne pas évoquer le grand livre fondateur de Karl Marx, La guerre civile en France, qui était, comme ses analyses l'étaient bien souvent, en même temps un manifeste de soutien à la Commune. C'était autant un usage politique immédiat qu'une analyse, mais c'était bien une analyse avec les limites de l'exercice d'une analyse dans l'immédiateté de l'événement, hein. La dernière ligne de ceci dit tout, de Marx dit tout, le Paris ouvrier, avec sa Commune, sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d'une société nouvelle, la Commune élue au prisme d'abord et fondamentalement de la lutte des classes, qui est au cœur de l'histoire. Elle est une aube, elle est le prémisse de la future révolution prolétarienne. Après, au-delà, il y a tout un développement qui sera entre autres effectué par Engels, hein. Regardez la Commune de Paris, c'était la dictature du prolétariat. Donc on a une thèse qui a abouti ensuite à beaucoup de travaux extrêmement variés, thèse qui a été partiellement remise en cause sur un certain nombre de points. On peut dire que Marx avait effectivement créé une analyse qui était au fond une transfiguration, pour reprendre l'expression de Jacques Rougerie, une transfiguration, c'est-à-dire une étude, disait Engels lui-même en 1884, hein, une étude des tendances inconscientes de la Commune. Hein, donc, c'est une analyse très très fine et très subtile qui s'opère dans cette vue marxiste que l'on n'a pas le temps de développer. Ce véritable secret de la Commune pour Marx, c'était d'être le gouvernement de la classe ouvrière, ce qui signifiait qu'elle avait brisé l'État bourgeois et mis en avant une ouverture démocratique. Alors, cette thèse marxiste qui a circulé, qui circule encore avec des travaux riches de nos jours, a rencontré une thèse opposée qui a eu peut-être moins d'influence, mais qui connaît un grand rebond actuellement. On pourrait simplifier en disant qu'elle est libertaire et qu'elle sera développée par Bakounine et Kropotkine. Kropotkine qui, par exemple, en 1881, proclama aussi que la Commune était une révolution sociale, mais surtout qu'elle était le premier essai, oui, effectivement, d'une révolution contre tout gouvernement, même s'il se proclamait démocratique. Un gouvernement ne peut pas être démocratique, tout gouvernement, par essence, n'est pas démocratique, vous connaissez cette thèse, et la meilleure preuve en était pour Kropotkine que Paris s'était décapitalisé, Paris avait perdu cette fonction et en ce sens-là était en voie de détruire l'État immédiatement. Donc cette deuxième thèse hein, qui a eu également beaucoup de travaux, qui a beaucoup influencé les travaux encore contemporains, les plus contemporains, par une reprise de lecture entre guillemets plus ou moins libertaire. Je pensais par exemple aux travaux de Christine Ross, hein, qui se situe partiellement dans une mouvance de ce type, mais en même temps, force est de constater que, il y a de plus en plus un dialogue entre ces deux visions, même si dans l'histoire même, alors, il y a eu des conflits assez vifs qui ont opposé sur le mur des fédérés même, hein, les premiers mai, pardon, les premières célébrations de la Commune au mur des fédérés, ont vu quelques bagarres entre anarchistes et marxistes du Parti ouvrier français. Mais on voit qu'actuellement, pour y revenir, je
penserais par exemple au dernier livre de Roger Martelli, des tendances, de montrer comment ces thèses peuvent se rapprocher et être prises en compte par des historiographies. Donc ce deuxième point me paraît évidemment essentiel. J'en arrive maintenant à mon troisième point, qui est celui de la mémoire de la commune, c'est-à-dire de l'ensemble des représentations du passé et de leur usage que l'on peut faire de la commune. Question immense et complexe. Je dirais à quelques points, essentiellement trois ou quatre. Le premier, c'est que évidemment cette mémoire de la commune va suivre grossièrement, là encore, une chronologie, une histoire générale de la mémoire et plus largement des relations que les représentations du passé entretiennent avec les représentations de l'avenir et les représentations du passé, du présent. Passé, présent, avenir forment un ensemble de, on pourrait appeler le registre de temporalité, de mémorialité, comme vous voulez, d'historicité, comme vous voulez, qui le trio fonctionne et crée des moments spécifiques. Il est clair que de la fin du 19e siècle aux années 1970, à la fin des années 1970, les chronologies sont complexes, on est dans une période où passé, présent et avenir se déclinent grossièrement en harmonie autour de la notion du progrès. Alors que ce soit progrès républicain, pour la République comme la nôtre, progrès libéral peut-être pour d'autres, progrès social, progrès vers le socialisme, voire le communisme pour d'autres, on se trouve dans une sorte d'harmonie pensée de ce progrès qui va se chevaucher avec la période suivante qui ouvre dans les années, disons 1880 ou à la fin des années 1970, où à la fois la crise économique et toute une série de processus politiques et historiques font que un sentiment de perte de l'avenir, additionné cette idée postmoderne que l'histoire est finie avec le libéralisme, les difficultés que le mouvement ouvrier, chacun le sait, reconnaît, fait qu'au fond la relation du passé au présent et à l'avenir se passe de façon extrêmement difficile et heurtée. Et puis peut-être, alors depuis une dizaine d'années, une nouvelle période que je n'essaierai pas d'analyser, beaucoup plus incertaine dans les relations entre les trois termes. Donc il y a certainement des effets dans la façon dont la commune est perçue, que ce soit par la mémoire ou par l'histoire d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette mémoire est construite par évidemment des enjeux alors politiques et sociaux beaucoup plus immédiats. L'évidence, c'est la mémoire immédiate construite par le parti de l'ordre. Les communards sont des voleurs, des assassins, des incendiaires, les communards, toutes des prostituées, des pétroleuses, ces choses-là sont bien connues. Et bien sûr, ça a un sens politique, mais aussi on peut utiliser là les travaux de Koselleck, qui, dans l'expérience de l'histoire, montre avec beaucoup d'habileté que la mémoire des vainqueurs, ce qui était le cas du parti de l'ordre, est une mémoire généralement pauvre, parce que le vainqueur croit avoir raison, pense que son analyse est fondée, et donc l'approfondit peu. Et c'est bien le cas de cette mémoire pauvre et factueuse, factice, qu'est la mémoire de la commune par le parti de l'ordre. Alors cette mémoire va s'affaisser sans jamais disparaître totalement, on trouve de temps en temps des rejets. Plus complexe, en France particulièrement celle-ci, nous avons la mémoire construite par la République triomphante dans les années 1880. On sait qu'en juillet 1880, c'est l'amnistie totale qui est votée, cette amnistie qui se fait dans un contexte où l'on pense à la reconstitution de la France, c'est la période du 14 juillet 80, on remet les drapeaux à l'armée française, on pense à la revanche déjà un peu, et
Tout le sens de cette amnistie, beaucoup de travaux le montraient, je n'y reviendrai pas, c'est d'aller dans le sens de l'amnésie, hein, de mettre une pierre tumulaire sur les crimes de la Commune qui avait divisé les Français devant la Prusse. Donc, va se fabriquer par la République triomphante, on retrouvera ça d'ailleurs dans le livre de Nora, plus tard, sur les lieux de mémoire, l'idée que la Commune n'a pas une grande place dans l'histoire de France, sinon par ce côté qu'elle a divisé les Français et qu'il faut éviter d'en trop parler. L'école française en sera très marquée jusqu'à de nos jours, hein, où on peut constater, bien qu'elle ait été réintroduite dans les programmes, que beaucoup de nos enfants n'ont jamais ou très médiocrement entendu parler de la Commune de Paris. On pourrait citer beaucoup de cas, à commencer par mes propres petits-enfants. Enfin, bien sûr, troisième évidence dans ces enjeux, c'est que cette Commune est construite par les mouvements ouvriers. Je l'ai évoqué, c'est une mémoire très complexe, commencée par les communards, que je ne peux pas analyser entièrement, poursuivie par les internationales et leurs divisions. Là, il y a tout un champ historique extrêmement riche, aussi avec une multitude d'enjeux politiques et sociaux. Donc il y a, en deuxième point, cette construction au niveau des enjeux politiques et sociaux. Troisième point que je pourrais évoquer dans cette mémoire, c'est à quel point elle chemine. On pourrait reprendre aussi certains propos qu'a tenu Quentin de Luermoz dans sa récente histoire de la Commune. Elle chemine suivant des routes multiples, parfois souterrains, parfois apparents, parfois elle ressurgit, et elle tient compte, cette mémoire, de situations particulières malgré tout. Alors j'avais envoyé des affiches, je ne sais pas si elles sont arrivées, si elles pourront être montrées, mais sur le cas belge qui m'avait particulièrement intéressé, hein, puisque des historiens belges ont très bien montré comment avait pu circuler cette mémoire, hein, et citer ce refrain en wallon, alors je n'ai pas l'accent, hein, qui circulait sur l'air de la Carmagnole, hein, Chantons vive la Commune, voilà, où on sentait la Commune, vive la Commune sur l'air de la Carmagnole, dans la partie wallonne. On le retrouvait aussi dans une affiche que j'avais sortie en 1881 d'un groupe anarchiste. Donc on a ces circulations qui seraient vraiment à retracer. Il y a tout un programme à faire sur ce cheminement par des routes multiples de cette mémoire, la transmission. Voilà. Alors ça, c'était plutôt pour celui d'après, mais c'était plutôt l'autre que j'aurais montré, mais je m'en servirai tout à l'heure. Il y avait donc je plaiderais donc pour qu'on voilà, c'était celui-là. Vous voyez le cercle des Va-nu-pieds de Liège qui sort un journal commémoratif de la Commune de Paris pour le 10e anniversaire du 18 mars, hein, un petit groupe anarchiste. Donc, toutes ces transmissions, d'ailleurs, là, ça me permet d'évoquer l'importance de la culture dans ces cheminements et tout le travail qu'il faudrait faire pour inventorier ce cheminement de l'aspect culturel de la mémoire de la Commune. Chansons, bien entendu, qui sont très connues, pas d'événements sur la Commune sans chansons, même si elles ne sont pas toujours de la Commune, mais c'est d'autant plus passionnant de voir circuler des chansons qui ne sont pas du temps de la Commune et qui semblent signifier la Commune. Théâtre aussi très riche, bande dessinée, j'en ai commis une moi-même, documentaire, avec une exception cependant, qui est notable, où là on arrive à une limite quand même qu'on pourrait noter et discuter, c'est que le cinéma de fiction n'a jamais livré de grande œuvre se passant pendant la Commune de Paris. Pourtant, Dieu sait que les événements, à mon sens, se prêteraient à une dramaturgie. Sauf quelques films particuliers, mais on n'a pas le temps de les évoquer, qui ont été tournés notamment dans les années 1920, dans la période du grand cinéma soviétique, qui sont des films dont certains, dont un d'entre eux en particulier, La Nouvelle Babylone, est un film absolument remarquable.
Donc voilà, il y aurait toute une histoire des circulations transnationales ou intimes, du transnational à l'intime, qui permettrait d'examiner ces cheminements. Enfin, quatrième point, qui, sur toujours ces éléments de mémoire, c'est à quel point cette mémoire ressurgit, mais cette fois-ci en participant au processus de l'histoire qui se fait, en contribuant à la mobilisation donc elle mobilise pendant l'histoire. Alors on le voit très bien à certains moments, là c'était la deuxième affiche que nos amis belges connaissent, j'imagine, qui est cette affiche de ce grand mouvement qui va se lancer en 1886, de grand mouvement social, hein, qui est lancé par cette affiche d'un petit groupe anarchiste du 18 mars à Liège, avec un grand meeting public sur la Commune de Paris et qui va déboucher sur progressivement un grand mouvement social qui sera à l'origine de grandes conquêtes sociales en Belgique. Mais c'est aussi le cas, si on voit l'affiche suivante, c'est le cas en France en 1936 où la manifestation au Père Lachaise de mai 1936 réunit une foule considérable, et là on voit entre autres par exemple Maurice Thorez, etc., et c'est une manifestation unitaire, et où cette manifestation qui réunit des centaines de milliers de personnes dans la montée au mur, on voit là le drapeau des Amis de la Commune et la plaque du monument, et qui est certainement un des moments où il y a une conscience de la force qui se fait par cette grande manifestation et qui déclenche le mouvement de grève générale. Et enfin, moi je n'ose pas à le faire, mais dernière affiche, nous venons d'avoir un 1er mai 2021 où la Commune de Paris a été extrêmement présente dans la journée et où, je le signale, nous attendons peut-être, on ne peut jamais prévoir, mais nous attendons peut-être pour la montée au mur du 29 mai, toutes les remontées que nous avons de tous les syndicats, partis, associations, semblent indiquer que nous allons vers le samedi 29 mai prochain, vers une manifestation peut-être monstre à Paris. Donc voilà, et sur ces différents aspects, vous voyez très divers, hein, on a énuméré plusieurs par lesquels la mémoire se fait dans des conditions complexes. Et je termine par mon dernier point, quatrième point, qui est le retour. Je retourne à l'histoire. Alors cette histoire, Michel Corbillot, j'ai oublié la citation, mais ce n'est pas grave. Hein, Michel Corbillot disait que maintenant, voilà, l'histoire, dans son dernier ouvrage, l'histoire scientifique, est arrivée dans les années 70 et a heurter la théologie de l'idéologie qui circulait. Donc là, on se trouve devant un questionnement, déjà sur l'histoire elle-même, est-elle tant indépendante de l'évolution de la mémoire, de la question mille fois posée sur l'historien et le citoyen, sur son objectivité, mais qu'il faut bien prendre en compte et qu'il faut bien poser pour l'historiographie de la Commune. Et je verrai là certaines spécificités, effectivement, de l'historiographie, des liens et quelques tensions. Alors, bien sûr, une des spécificités même de l'histoire, ce serait cette volonté de distance qu'elle a au temps. Donc, même si on fait l'histoire immédiate, il reste toujours quand même une grande dominante de l'idée qu'il nous faut un certain temps, il nous faut des sources, que les archives enfin soient ouvertes pour réellement approfondir l'événement. Et je signale d'ailleurs que ce n'est pas faux, hein. Travaillant là maintenant sur l'achèvement d'une nouvelle histoire de la Commune qui doit paraître en 2022 en 3 volumes de 500 pages, je veux dire que les archives, quand on les dépouille intégralement, ça nous apprend toujours du nouveau. Donc il y a évidemment ceci, mais qui a contribué à ce que l'histoire de la Commune, entre guillemets universitaire, entre guillemets savante, est venue assez tard. Au fond, les premiers historiens n'étaient pas de l'histoire dite universitaire, hein, qui a très peu abordé avant finalement les années 1950 et même 1960,
les premiers historiens comme Bourgeun, etc., n'étaient pas des universitaires vraiment de la commune. Et dans les autres pays, on avait également des études historiques venant de gens souvent aux marges de l'université. C'est avec Jacques Rougerie que c'est venu vraiment principalement dans notre historiographie. Cette notion de distance va aussi avec l'idée qu'avec une certaine distance, nous aurions plus d'objectivité. J'en suis moins persuadé et je ne peux m'empêcher là de citer la préface de celui qui fut le premier historien avec ses limites, parce qu'il disposait peu de sources, parce qu'il avait amassé les sources qu'il pouvait à l'époque et puis qu'il en avait une lecture de son époque, c'est-à-dire étroitement centrée sur une histoire politique et immédiate. Mais je ne peux m'empêcher de citer ce texte de Lissagaray dans sa préface de 1896 qui est bon de rappeler. L'ennemi, je cite, l'ennemi serait qui flatterait, bâtirait de fausses légendes soi-disant révolutionnaires. Il serait aussi criminel que le cartographe qui, pour les combattants de demain, ferait des graphiques menteurs. Voilà. Donc, on voit bien que Lissagaray, qui avait été communard et qui, dont le livre est plein de sympathie pour la commune, est déjà sur ce terrain de ne pas créer des fausses, de manquer l'approche de la vérité, d'en avoir au moins la démarche. Le troisième point qui me paraît évidemment notable en parlant de l'historiographie toujours, c'est qu'évidemment il y a une évolution de l'historiographie que je ne saurais retracer, mais qui a suivi l'évolution de la commune, a suivi l'évolution générale de l'historiographie, histoire politique et idéologique au départ, hein, surtout celle de Lissagaray que j'évoquais, celle de Bourgeun, celle de Rougerie arrivant au moment de l'histoire sociale et économique, au moment du triomphe de l'histoire sociale et économique, mais Rougerie, il a continué à travailler après, donc il se situe aussi sur l'ensemble des problématiques, Jacques Rougerie, je n'y insisterai pas. Et après ces dernières années, le triomphe relatif d'une histoire culturelle, d'anthropologie socioculturelle, extrêmement diversifiée, qui va interpeller l'histoire de la commune, sans compter les poids grandissants de l'histoire transnationale, de l'histoire globale. Donc, tous ces phénomènes vont jouer dans l'historiographie, créant à la fois des liens et des conflits. Des liens, il est clair que la situation générale de l'histoire sociale économique à la fin des années 70-80 et sa diminution en France mais aussi dans pas mal de pays étrangers est liée à un contexte mémorial qui est celle des difficultés de l'histoire du mouvement ouvrier, de son assurance qu'il avait du progrès, et elle joue sur l'historiographie de la commune en France. Elle joue d'un point quantitatif pendant un certain temps dans cette historiographie française, et elle joue aussi par l'apparition d'autres historiographies. Je pense à celle de Robert Tons, par exemple, c'est-à-dire une historiographie où, au fond, la commune est d'abord un instrument de circonstance, un élément de circonstance, même si c'est une réflexion beaucoup plus approfondie, je ne fais que la résumer de façon très sommaire, mais la commune ne peut pas être essentielle finalement parce que dans le mouvement vers le libéralisme politique et économique, qui est le moment profond de l'histoire pour cet historien, évidemment, sa place n'est que un moment particulier de l'histoire. Et puis, deuxième remise en cause, et qui a un lien avec entre mémoire et histoire, c'est l'apparition de cette historiographie très diversifiée, où le social est éclaté, non hiérarchisé, histoire des femmes, histoire des étrangers, histoire des communautés minoritaires, et on voit bien que cette histoire des dominés, des dominations, et on voit bien que cette histoire se développe dans des circonstances politiques et sociales très très nettes,
beaucoup venu de l'historiographie américaine à un certain moment de l'histoire des États-Unis, mais on n'a pas le temps de développer là-dessus. Cette histoire, elle éclate dans la période récente, dans l'histoire de la Commune. Je pense que Laure Godinot et Marc César l'évoqueront, avec aussi la reprise de cette histoire transnationale très complexe. Tout ceci s'accompagne aussi, pour terminer, donc de tensions. Je signale deux tensions qui ont été très sensibles à mon sens, au moins en France. En 1971, au moment du centième anniversaire, il y a eu une forte tension entre les deux colloques, le colloque universitaire qui avait été organisé par Jacques Rougerie et le colloque qui avait été organisé par le Parti communiste français, entre ce que Jacques Rougerie avait avancé sur la composition du gouvernement de la Commune, les idées de la Commune qui remettaient en cause l'idée que la Commune était un gouvernement ouvrier, par exemple, et la volonté du deuxième colloque d'insister sur le fait que c'était bien une dictature du prolétariat qui s'était mise en place pendant la Commune. Donc là, il y a eu une période de forte tension. Et puis, on a eu aussi, dans les années 2010, il y a peu, autour du 140e anniversaire, nous avons vu des tensions vives sur la question des effectifs, lorsque Robert Toombs a avancé un chiffre très minime de morts, ou très diminué de morts, contestant la doxa de plusieurs dizaines de milliers de morts, parfois fusillés par les Versaillais. Personnellement, ce n'est pas le lieu ici, je ne suis pas du tout d'accord avec la démonstration de Robert Toombs, que j'estime discutable, mais en tout cas, cette démonstration, entre guillemets, de Robert Toombs, d'effectifs très minimes de fusillés de la Commune, a heurté la sensibilité de tout ce qui avait circulé dans ces cheminements de la mémoire que j'évoquais tout à l'heure, où les fusillés étaient 20 000, 30 000 et encore plus nombreux. Donc on a eu là vraiment un conflit entre mémoire et un travail universitaire qui est maintenant dans le champ de la discussion et du débat qui ne fait pas l'unanimité des historiens. Voilà, je termine en rappelant donc qu'à mon sens, nous avons besoin, sur toutes les questions que j'ai évoquées, de l'histoire de la Commune, de l'historiographie de la Commune, qu'elle se développe dans tous les pays par ses approches multiples, mais nous avons aussi besoin de la mémoire de la Commune, parce que c'est cette mémoire qui fait aussi vivre l'histoire de la Commune. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Louis Robert, c'était une magnifique entrée en matière et puis je vous félicite pour le timing, je n'ai pas dû venir vous demander de terminer dans les temps, c'était vraiment concis et extrêmement bien résumé, c'est vraiment une très très bonne entrée en matière et au moins tour de force de mêler à ces dimensions historiographiques et mémorielles avec une conclusion qui finalement rejoint les deux perspectives. Passionnant. Je voulais juste rappeler aussi que vous pouvez déjà poser vos questions dans les commentaires sur le côté pour pouvoir par la suite, à la fin des présentations, les relayer. Donc on enchaîne directement, on passera donc aux questions après avec Laure Godinot et Marc César, dont Jean-Louis Robert a également introduit la présentation. Alors, merci en notre nom à nous deux et au Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches et à l'Institut Marcel Liebman. Merci aussi à l'Université Libre de Bruxelles et nous rejoignons Jean-Louis pour faire savoir que c'est une importante manifestation à laquelle nous sommes conviés pour le 150e anniversaire de la Commune. Et nous en sommes heureux et nous remercions également, et là aussi nous rejoignons Jean-Louis Robert, Francine et Nicolas et tous les organisateurs et organisatrices de ce colloque qui a lieu finalement en ligne. Et donc je vais passer la parole à Marc.
Merci Laure. Donc merci à tous. Nous avons effectivement le plaisir et l'honneur d'être conviés durant cette première séance du colloque en tant que co-directeur d'un ouvrage collectif publié fin 2019 aux éditions Créafis sous le titre « La Commune de 1871, une relecture ». L'ouvrage a fait l'objet d'une réédition immédiate en 2020 parce qu'il avait été rapidement épuisé, édition augmentée d'un index. On peut penser que le titre choisi pour le colloque, quelle relecture aujourd'hui, relecture au pluriel cette fois, n'est pas totalement étranger à notre publication. Comme l'indique l'intitulé qui nous a été proposé par les organisateurs, cette relecture engage aussi la manière d'écrire l'histoire de la commune. C'est évidemment premier face à un sujet devenu un véritable mythe mondial sur lequel on a tant écrit. Je rappelle que la bibliographie de Robert Lequillec, publiée en 2006, fait état d'environ 5000 références. Sujet qui, pourtant, semble toujours résister à l'analyse. Précisons d'emblée que cette relecture implique une autre dimension, celle de ne pas se limiter à la commune de Paris, nous y reviendrons. Avant cela, il importe de présenter le projet du livre et pour mieux le comprendre, de dire un mot sur nos parcours. Nous sommes l'un et l'autre historiens universitaires, appartenant au même laboratoire, à la même université. Comment en sommes-nous venus à la coordination de ce travail? Bon, tout simplement, nous partageons un intérêt pour la commune depuis longtemps. Nous sommes arrivés l'un et l'autre au sujet dans une perspective historienne. Nous avons entamé nos recherches au milieu des années 90, à un moment où l'historiographie de la commune était très délaissée ou peu osée s'engager sur ce terrain, vu comme trop politique, trop connoté à du militantisme, épuisé, vieilli, et peut-être aussi dans un contexte où, comme l'a rappelé Jean-Louis Robert, triomphait l'histoire culturelle. Au même moment, un intérêt nouveau pour le sujet pointé dans la sphère militante. L'un et l'autre, sans nous connaître, avons alors approché le sujet par les marges. Laure Godineau par l'exil, même le retour d'exil des communards après l'amnistie, donc par une marginalité temporelle, moi-même par la question des communes dites de province, c'est-à-dire en dehors de Paris, dans le reste de la France. J'ai travaillé en particulier sur la commune de Narbonne. À partir de là, Laure Godineau a orienté ses recherches partant des trajectoires de l'exil vers l'humain plus que les idées, la commune au plus près. Pour ma part, j'ai poursuivi mon travail sur la dimension nationale et ou extra-parisienne de la commune et également par le suivi de parcours individuels méconnus. Bref, ouvrir le sujet à différentes échelles était au cœur de nos préoccupations. C'est donc en 2009 que nous avons lancé le projet auquel aboutit l'ouvrage en préparant un colloque international qui eut lieu à Narbonne en 2011. Nous avons été épaulés par un comité scientifique d'une quinzaine de membres, dont Jean-Louis Robert, ici présent, et parmi les plus actifs, Jacques Rougerie, Robert Thompson, Raymond Huard, Sylvie April. Le colloque a réuni un grand nombre de spécialistes ainsi que de jeunes chercheurs ou des collègues venus d'autres champs. Il a aussi apporté un regard international, ce qui était nécessaire, tant le renouveau historiographique sur le sujet est venu pour une grande part ces dernières années de l'étranger, et en particulier du monde anglo-saxon. Ce fut un vrai succès public, près de 700 personnes accueillies sur 3 journées et demie, et scientifiques. Nous avions en fait posé les bases d'un renouvellement à travers un véritable programme de recherche, en vue plutôt d'un renouvellement historiographique. Suite au colloque, le temps a passé et le projet a évolué. La question que nous avions était que faire de la volumineuse matière que nous avions réunie. De là est partie l'idée que nous pouvions, plus que des actes, proposer une relecture collective confrontant les points de vue. Ce sous forme d'un ouvrage abouti, illustré avec un vrai travail d'édition qui a été permis par Créafis, notre éditeur. Il y a un vrai travail de mise en commun qui a été fait, de réorganisation avec un ordonnancement différent de celui du colloque, d'actualisation aussi pour tenir compte de l'avancée des réflexions des différents contributeurs. Et le résultat est assez volumineux, 600 pages, malgré les contraintes données aux auteurs. Nous allons donc vous présenter les axes majeurs de l'ouvrage. Je vais commencer, et Laure poursuivra ensuite, par le principal parti pris du livre, qui est celui d'un élargissement des regards.
nous avons choisi d'adopter un cadre temporel élargi, allant des révolutions antérieures du 19e et en particulier 1848, jusqu'aux projections postérieures et enjeux mémoriels évoqués précédemment par Jean-Louis Robert. Mais aussi un cadre spatial permettant de ne pas limiter la commune à Paris et de lui redonner toute sa dimension nationale et même transnationale. Commençons par l'élargissement géographique. Il importe, bien sûr, de ne pas réduire la commune à la seule scène parisienne. Plusieurs autres villes ont connu des communes, Marseille, Lyon, Narbonne, Saint-Étienne, Toulouse, Le Creusot. Un certain nombre d'autres villes ou de petits centres urbains ont connu au même moment des insurrections qui ne furent pas suivies de succès. Ces insurrections furent sévèrement réprimées, mettant le pouvoir local pendant quelques jours. L'objectif affiché par certains leaders des mouvements était la construction d'une république des villes qui, à l'image de Paris, autoproclamée ville libre, serait les moteurs du changement politique. Car la commune, c'est aussi une forme particulière revendiquant simultanément l'autonomie communale et la république vraie, c'est-à-dire démocratique et sociale. Cela doit se comprendre dans un double contexte. D'une part, il y a la trace profonde du rejet du centralisme du Second Empire, synonyme d'autoritarisme. Pour rappel, le Second Empire n'a été déchu que 7 mois auparavant. D'autre part, il y a le résultat des élections du 8 février 1871 qui virent l'installation d'une majorité monarchiste à la Chambre. Le vote avait montré un fort clivage entre certaines villes qui avaient voté républicain et le reste du pays. C'est là une grande part de ce qui se joue en mars 1971. Si le pays ne veut pas être républicain, les villes peuvent l'être sans lui. Entrons dans l'ouvrage. L'objectif n'est pas de faire l'énumération des communes dites provinciales ou de décliner des études monographiques déjà connues. Il s'agit de proposer des approches diverses sur le territoire en 1871 afin de permettre au lecteur d'appréhender la commune dans sa dimension nationale. Outre le cas lyonnais étudié par Inès Benslama, citons l'exemple de Jérôme Caretti qui analyse comment, dans un département qui était considéré comme rouge, les Pyrénées-Orientales autour de Perpignan, on a non seulement une insurrection armée manquée à Perpignan, mais aussi tout autour une agitation dans les villages environnants, un peu comme à Narbonne, qui l'amène à employer le terme de commune rurale. Qu'en était-il dans les territoires éloignés des centres d'insurrection communaliste? Laurent Le Gall explore le département conservateur du Morbihan. Par-delà le calme apparent, il montre comment il y a eu des sympathies ou des propos entre guillemets subversif. Mais il montre aussi comment le gouvernement de Versailles a agi pour imposer un silence en imposant la censure sur les informations et en créant un climat de suspicion et de peur. Cette répression politique et morale permet d'approcher la situation d'une grande partie des départements pendant la Commune et pour le coup de relire la Commune de Paris en tenant compte de toute cette globalité. Qu'est-ce qui se passe en 1871 ? Non pas seulement à Paris, mais aussi ailleurs. Cette réflexion est poursuivie par Jacques Fressange à propos du département de l'Aveyron, parfois appelé Bretagne du Midi. Sur la question de la dimension nationale, il y a également quelque chose que le livre met en avant, qui est important, on le sait, mais on n'en parle pas forcément, c'est le fait qu'une partie de la France était occupée durant la Commune. Guillaume Parisot explique que la ville de Troyes aurait très bien pu connaître une situation communaliste sans l'occupation allemande, qui rendait toute insurrection impossible. Il montre bien comment il y a une déconnexion entre une situation politique donnée et le fait qu'il puisse y avoir une insurrection dès lors que l'occupation crée des conditions de répression qui la rendent impossible. On peut aussi s'interroger sur la disparité ville-campagne. Au-delà de la question d'un conservatisme rural, longtemps débattu, les revendications urbaines d'autonomie locale et d'autonomie administrative portées par le modèle de la commune étaient-elles sans objet pour les campagnes ? Plusieurs contributions apportent dans des contextes différents des réponses contrastées, ce qui montre qu'il n'est pas facile de répondre à cette question de manière univoque. Cet angle permet aussi d'interroger à travers la commune la question du rapport à l'insurrection comme moyen ou pas du changement politique profond. C'est un des clés de l'échec de la commune et on ne le trouve pas à Paris. La clé, c'est que le radicalisme provincial n'y croyait plus. S'ajoute à cela le fait que la semaine sanglante a montré la puissance de l'État moderne. En cela, la commune et peut-être plus encore le renouvellement politique des années 1880 qui se détournera de la voie de l'insurrection est un tournant. Élargissons encore à l'international.
La dimension internationale dans un contexte d'occupation et de guerre commence par l'étude des relations avec l'occupant allemand. Olivier Berger envisage cela par le haut en termes de relations diplomatiques entre le gouvernement insurrectionnel et l'occupant allemand. Massaï Mejias l'envisage au niveau local, à Paris, ainsi que dans les environs immédiats durant la Commune. Il décrit la complexité des rapports sociaux locaux entre les occupants allemands et la Commune. L'auteur rappelle qu'entre les fortifications de Paris et l'occupation allemande, il y a toute la zone neutre entre les portes. Il y a tout un espace de transition, de tolérance, de contrôle ou pas, de perméabilité, d'échange. Cette plongée dans la réalité locale d'un espace permet de comprendre comment se structure tout un système de passage et de communication entre Paris insurgé et le reste de la France, avec ses ruses, ses stratagèmes, ses dissimulations, ses contournements. On comprend aussi comment ces espaces frontaliers sont dynamiques et évoluent. Ce, au-delà, évidemment, de la question du rôle objectif des Allemands qui proclament une neutralité tout empreinte d'un soutien à Versailles. Burak Onaran, quant à lui, croise ses approches par le haut et par le bas, en s'intéressant à la fois à l'ambassade ottomane et à trois Ottomans supposés avoir participé à la Commune, en tentant de démêler le vrai, du faux, de ce que le récit peut nous apprendre de façon plus impalpable aussi sur la place prise par ces trois personnages dans la mémoire populaire turque, notamment à gauche. On glisse donc vers les questions mémorielles que l'on évoquera plus bas. Il n'est bien sûr pas possible de segmenter. La dimension internationale ou transnationale est abordée de façon assez différente de ce que l'on a l'habitude de voir. Par exemple, Daniel Mollenhauer montre comment en Allemagne, la représentation qu'une partie des publicistes allemands donne de la Commune sert le nationalisme allemand, la Commune étant présentée comme le cas typique de l'esprit et du désordre français. À l'inverse, la traduction italienne des œuvres de Vallès, juste après la Commune, qui est étudiée par Filippo Benfante, peut au contraire servir les mouvements en Italie. Tout cela permet de replacer la Commune dans une dimension européenne globale où elle a un écho. L'autre dimension essentielle est d'ouvrir le cadre d'analyse dans le temps. Sans adopter une vision linéaire basée sur l'avant et l'après, il importait bien sûr de ne pas limiter l'événement aux 72 jours de la Commune de Paris. L'idée est de proposer une lecture faite d'aller-retour. Ce, en cherchant à cerner la manière dont les acteurs convoquent le passé, tout en examinant comment les expériences antérieures leur permettent de construire la leur, mais aussi en approchant l'immense continent des appropriations, postérité, mémoire ou usage politique ultérieur, de façon à saisir la Commune, là encore, dans sa globalité. Car les historiens de la Commune, aujourd'hui, ont entre les mains un objet qui dépasse non seulement 71, mais aussi le 19e siècle, tant il a été et est encore aujourd'hui l'objet de relectures multiples de la part d'acteurs de différents champs et pas seulement historiens. En le redimensionnant, on peut se demander si on n'a pas tout simplement changé d'objet. Jacques Rougerie et Michel Ruault-Sarcey traquent les continuités de l'aspiration populaire à la République démocratique et sociale entre 48 et 71. Ils avancent des pistes permettant de saisir l'émergence du mot commune ou de la République communale. Leur réflexion qui, à travers l'exemple du journal de la Marseillaise sous le Second Empire, revient sur la réaction au centralisme et à l'autoritarisme de l'Empire comme catalyseur de l'insurrection. Fabrice Herr, dessinateur de BD mais aussi historien, nous plonge dans des représentations satiriques en montrant la réactivation en 71 d'une imagerie ancienne remontant à la monarchie de Juillet. Jonathan Wouters, quant à lui, montre en comparant les appels aux volontaires pour combattre la Commune à ceux de 48, combien l'héritage d'une situation ancienne ne conduit pas à sa reproduction malgré la similitude. Au passage, il produit aussi une très belle carte. Le livre accorde également une large place à l'exil, à la déportation, aux postérités, aux mémoires, aux influences, aux interprétations, aux usages politiques du passé. À vrai dire, il insiste même sur cette dimension davantage traitée que l'avant-commune. Il aborde aussi les relations complexes entre l'histoire de la Commune et sa mémoire ou sa commémoration de la fin du XIXe siècle à nos jours. Jean-Louis Robert, qui vient d'en parler devant nous, nous ne développerons pas davantage ceci ici. Une question qui peut se poser, c'est pourquoi ne pas combiner élargissement géographique et élargissement temporel? C'est évidemment ce qui va être proposé. L'après devient ici aussi l'ailleurs. Prenons le cas de Caroline Eichner, qui revient sur Louise Michel, en mettant en regard sa déportation en Nouvelle-Calédonie et son voyage en Algérie en 1904. Au premier abord, on peut avoir l'impression que finalement, Louise Michel, son rapport avec les Kanaks, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Mais son article pose d'autres questions.
en particulier celle du rapport avec le colonialisme, à la République, à l'Empire colonial français, à quelque part un impérialisme inconscient, dit-elle, ce qui nous ramène à ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-Louis Robert en parlant d'une historiographie des dominés. La découverte de mondes inconnus fut une expérience partagée par les exilés. J'ai moi-même travaillé sur l'exil russe de Jules Montel, ce qui fut à la fois des communes de Paris et de Narbonne. Je me suis intéressé à l'aventure extraordinaire de ce proscrit. Membre de l'AIT bakouniniste en Suisse, après la Commune, il est engagé comme précepteur par Tolstoï à la fin des années 70. Il s'installe à Yasnaya Polyana, où il partage la vie du grand écrivain russe et de sa famille, petit déjeune avec Tourguenieff, les accompagne dans leur propriété de Bashkiri, descend la Volga, etc. Il connaîtra une fin de vie coloniale en Tunisie, sans jamais cesser de se revendiquer de son passé communard, lui qui, chef de la 12e Légion fédérée, avait organisé dans le 12e arrondissement un bataillon de femmes. Cela laisse entrevoir l'étendue des expérimentations, des rencontres et des possibles transferts culturels. Je vais m'arrêter là parce que je vois que j'ai été un petit peu long. Je voulais vous parler de Jean-Numa Ducange qui nous parlait de Vienne-la-Rouge et qui ouvrait d'autres pistes. Mais je vais passer la parole à Laure Goudinot. Alors, Marc vous l'a montré, nous avons privilégié, enfin ce collectif d'ailleurs, a privilégié une dilatation de l'espace et du temps pour approcher le moment 1871, mais cela ne nous empêche pas en fait d'avoir de nombreuses études sur la Commune de Paris, ou en tout cas une partie centrale sur la Commune de Paris, parce que décentrer le regard, comme l'a fait ce collectif, ce n'est pas délaisser la Commune de Paris, au contraire, c'est y revenir de façon plus approfondie. Alors, l'objectif était de proposer en effet des grilles de lecture pour dépasser la profusion des ouvrages sur la Commune de Paris, donc Jean-Louis en a parlé, Marc à sa suite, et pour dépasser probablement aussi, et là je rejoins ce que disait Jean-Louis, les problématiques anciennes, notamment les lectures antagoniques sur la Commune de Paris, donc Commune comme aurore des révolutions prolétariennes, ou bien Commune comme crépuscule fermant l'ère des révolutions du XIXe siècle entamée avec la Révolution française. Alors, comment donc dépasser ces lectures antagoniques et par quelle grille de lecture? Par quatre axes principaux qui montrent bien quel est le renouveau à l'heure actuelle. D'abord, le fait d'étudier la Commune comme un laboratoire du politique, c'est-à-dire comme une ouverture de possible dans la mise en pratique de l'aspiration à la démocratie vraie, à la République démocratique et sociale, une aspiration qui est profonde, qui est longue, et c'est en cela d'ailleurs qu'on rejoint aussi l'élargissement spatial et temporel, et que l'élargissement spatial et temporel est justifié par d'autres raisons aussi, mais aussi pour celle-là. Deuxième axe, en dehors du fait d'étudier la Commune comme laboratoire du politique, le fait de développer une approche par le bas, ou qu'on a appelé par le bas, par des études sur le quotidien de la Commune, au plus près des acteurs, donc aller dans les quartiers, aller dans les rues parisiennes, mais aller aussi dans l'espace de la famille, et revenir à l'individu, pour comprendre la complexité du collectif. Troisième axe, c'est la multiplication des échelles, la variation des focales. Donc, puisque l'on passe de la rue à l'espace parisien dans son ensemble comme espace révolutionnaire, puisque l'on passe de l'approche par le bas à la Commune, pourrait-on dire, d'en haut, c'est-à-dire aux décisions du Conseil de la Commune. Et à chaque fois, il s'agit de faire jouer les échelles, y compris d'ailleurs à l'intérieur de l'espace parisien. Et enfin, quatrième axe, c'est celui de privilégier une approche sensible et humaine de la Commune de Paris. Alors, premier axe, donc la Commune comme laboratoire du politique, à savoir donc comment est expérimenté, comment est mis à l'épreuve l'idéal de la démocratie vraie et l'idéal aussi de souveraineté populaire, notions qui ont été interrogées d'ailleurs
par Jacques Rougerie, par Michel Riosarcé dans ce collectif, qui, notion qui avait déjà été interrogée par Jacques Rougerie depuis longtemps, et qui est aussi l'objet d'un article d'ailleurs dans l'ouvrage dirigé par Jean-Louis « Le Paris de la Commune ». Donc, comment est expérimentée cette démocratie vraie dans les contraintes de la lutte contre Versailles, dans les contraintes de l'urgence et dans les contraintes de l'exercice quotidien du pouvoir, que ce soit d'ailleurs à l'échelle de la ville ou du quartier. Et donc, je prendrai deux exemples, déjà à l'échelle de la ville, avec... Donc, pour exemple, la question du moratoire des loyers qui est étudiée par Daniel Volman, qui d'ailleurs n'est pas une spécialiste de la commune, mais enfin qui fait une étude extrêmement poussée et fine de ce moratoire des loyers. Et donc là, ça me permet aussi de rejoindre ce qu'a dit Jean-Louis au début sur cette appréciation de Jean-Baptiste Clément sur le fait que, au fond, les décrets resteraient les monuments de la commune et resteraient aussi la mémoire de la commune. En tout cas, ne pourraient pas être détruits. Alors, on sait que cette question des loyers est essentielle, hein, parce que c'est une très grosse part du budget populaire. Et puis, avec la guerre et le siège, donc les difficultés se sont accrues. Alors, on sait aussi que le moratoire des loyers a existé pendant la guerre et que l'Assemblée nationale, juste avant le 18 mars, veut revenir sur ce moratoire des loyers, veut y mettre fin. Et que donc ça fait partie des fameuses mesures provocatrices, vexatoires de l'Assemblée nationale, ou en tout cas projetées par l'Assemblée nationale. Alors, on sait aussi que le 18 mars, le comité central, après le 18 mars, le comité central de la garde nationale met fin à l'expulsion des locataires, interdit toute expulsion de locataires, et que le 29 mars, donc juste après la proclamation de la commune, décret est pris de remettre aux locataires les trois termes d'octobre 70, janvier 71 et avril 71, c'est-à-dire donc 9 mois de loyer, et je précise que toutes les sommes payées par les locataires pendant les 9 mois écoulés seront imputables sur les termes à venir. Alors, et il me semble intéressant de développer un peu cette question du moratoire des loyers étudiée par Daniel Volman, parce qu'encore une fois, ça fait partie de ces fameux monuments de la commune et de cette mémoire de la commune. On a parfois insisté sur le fait que le moratoire des loyers était une mesure de circonstance, puisque d'une certaine façon, le moratoire existait pendant la guerre, donc avant même la commune, et que donc là, il s'agissait de perpétuer ce moratoire dans des conditions de difficulté, et finalement, il avait assez peu d'intérêt pour tout ce qui est l'étude de la mise en pratique précisément de cette démocratie, de cette république démocratique et sociale. Or, ce que montre Daniel Volman, en étudiant à la fois d'ailleurs les procès-verbaux de la Commune, mais aussi toutes les discussions, les débats à l'Assemblée nationale de Versailles sur la question de la propriété, la question du logement, également les archives de la justice de paix, et là on voit bien qu'on étudie aussi ce qui est de la commune d'en bas, hein. Alors là, plus ce sont les archives ont trait aux litiges entre propriétaires et locataires après la commune, mais ces litiges en fait sont liés à ce décret. Alors, toutes l'utilisation de ces sources permet de questionner finalement la manière dont la commune pense le logement, mais pense aussi la propriété face à Versailles, et au fond, comment la commune fait pencher la balance, dit Daniel Volman, du côté des non-possédants, à l'inverse, ou en tout cas de façon différente de ce qui existait pendant la guerre, où pendant la guerre, on instaurait un moratoire tout en préservant l'intérêt des propriétaires. Alors, elle montre ainsi que le logement n'est pas perçu comme une marchandise et que même s'il n'est pas revendiqué comme tel, il existe quand même une esquisse ou en tout cas l'idée d'un droit au logement, et elle en arrive à montrer qu'il s'agit à la fois d'une mesure de circonstance, mais aussi d'une esquisse, dit-elle, d'utopie sociale. Donc, on voit bien ici cette mise en pratique, cette mise à l'épreuve de l'idéal de république démocratique et sociale à l'échelle de la ville. On peut le voir aussi à l'échelle du quartier,
avec la contribution, par exemple, et l'étude de Quentin de Luermoz et de Jérémy Foy sur le quartier des Champs-Élysées, donc quartier bourgeois, et notamment sur étude à travers l'action de Démophile Coussa, qui est le commissaire de police aux Champs-Élysées en mai 1871. Alors, cette étude extrêmement fine leur permet d'analyser l'exercice quotidien du pouvoir à travers notamment les perquisitions et les pillages ou les visites des demeures d'ennemis de la commune, donc que ce soit des représentants de l'ancien monde, donc celui de la domination sociale, ou des représentants du bonapartisme. Et il s'intéresse plus spécifiquement à une visite, entre guillemets, domiciliaire de l'hôtel du duc de Rivoli, qui était lié au bonapartisme par sa famille. Et en fait, il montre que ce pillage, entre guillemets, doit être lu comme l'expression d'une, disent-ils, d'une démocratie empirique, c'est-à-dire, là encore, d'une mise en pratique de cette démocratie vraie, avec donc par exemple le fait que des chevaux sont réquisitionnés pour servir au commun, donc passe du privé au commun. Alors, ces deux articles permettent d'illustrer ce qu'a été ce premier axe. On voit aussi que cette dernière contribution montre le deuxième axe, à savoir l'approche par le bas, et toute la relecture collective qui est proposée ici se penche sur les quartiers et privilégie une approche différenciée des espaces qui met l'accent sur la diversité de la géographie parisienne et la diversité des positionnements. Alors, au travers d'analyses micro-historiques, et cette approche par le bas, donc Jacques Rougerie et Robert Holmes d'ailleurs en avaient déjà montré l'intérêt avant même cette relecture, donc avaient initié en fait ces relectures. Alors, cette approche micro-analytique est tentée par exemple par Yann Chadwick, qui tente une comparaison une typologie des profils révolutionnaires et une comparaison pour cela des quartiers Popincourt, La Villette et Belleville, donc des 11e et 20e, des arrondissements populaires, et avec donc cette micro-analyse. Elle est également réalisée, alors là j'en parlerai un peu plus longuement, parce que j'ai fait, enfin moi-même j'ai tenté cette micro-analyse avec un manuscrit familial, qui est un manuscrit de la famille Accard, qui répondent d'une certaine façon à un certain profil type, j'ai envie de dire, puisque c'est un couple d'artisans du 11e arrondissement, donc l'homme est fabricant de roulettes pour meubles. Et pourquoi un profil type? Parce qu'ils font partie de cette petite bourgeoisie populaire, donc très présente à ce moment-là, du monde de la boutique et du petit atelier. Ce sont des Parisiens de longue date, donc qui théoriquement ont une tradition révolutionnaire, ou en tout cas répondent à la tradition révolutionnaire parisienne, dans un quartier qui est impliqué dans la commune, le 11e arrondissement, très fortement impliqué dans la commune, et dans un quartier de tradition révolutionnaire, puisqu'il s'agit du Faubourg Saint-Antoine. Or, l'échelle de la famille, l'échelle de l'individu, permet précisément d'interroger ces profils types, hein, ces typologies que l'on peut être tenté de faire, notamment sur la question de l'engagement. Parce que, précisément, on voit là une famille qui ne répond pas à ce qu'on pourrait attendre, à savoir un engagement dans la commune, mais on voit une famille qui est repliée sur la sphère privée, dans une ville qui est en révolution, en dehors des événements communards, et de plus en plus hostile à la commune. Donc cela pose aussi la question de l'échec d'une révolution, en prenant en compte la part des attentistes, et de l'échec d'une révolution en étudiant la confrontation entre ce qui peut être de l'ordre de l'extraordinaire et ce qui est de l'ordre de l'ordinaire, c'est-à-dire en essayant de voir comment le poids du quotidien finalement peut être un frein aux luttes politiques et sociales. Et il faut, à mon sens, inscrire la question de l'engagement dans une temporalité qui dépasse la seule temporalité de la commune. Mais il faut l'inscrire dans une temporalité moyenne ou longue, et par exemple revisiter le rôle de la guerre, puisqu'on a souvent dit que la guerre et le siège étaient un élément déclencheur de la commune, mais on peut de l'insurrection, mais on peut se demander si la guerre et le siège ne sont pas, en même temps qu'un élément déclencheur de l'insurrection, un frein finalement à la révolution, parce que
il déplace les frontières de l'ordinaire, hein, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'on est dans une situation extraordinaire, et il y a une volonté d'une certaine partie de la population non négligeable de revenir à l'ordinaire, hein, c'est ce que j'ai appelé la soif de l'ordinaire, et donc la commune déplace les frontières de la normalité, parce qu'elle est révolution, et on voit bien aussi comment l'échec de la révolution peut être lié à une résistance face à ce déplacement des frontières de la normalité. Alors, troisième axe, je vais aller plus vite, hein, parce que je vois que le temps passe, qu'a privilégié cette étude collective, c'est la variation des focales, le croisement des échelles, c'est à chaque fois, on est allé des quartiers à Paris, de Paris au quartier, avec les différentes contributions, des familles au quartier, des quartiers aux familles, avec ce jeu permanent sur les espaces, sur les temporalités, sur les échelles, et par exemple, donc il y a on privilégie la commune par en bas, mais il y a aussi des études sur la commune d'en haut, avec une analyse, par exemple, de la minorité, celle qui a voté, donc la minorité, ceux qui ont voté contre le comité de salut public le 1er mai, qui est faite par Claude Latta, ou bien encore l'analyse de Mazaï-Mejias sur ces fameuses frontières de l'espace parisien. Et là, on voit qu'on est au niveau de l'espace parisien dans sa totalité, défini par l'extérieur, donc par ses frontières, donc en tant qu'espace révolutionnaire. Enfin, donc le quatrième axe, c'était la volonté de privilégier une lecture sensible de la commune. Alors, je l'ai dit, par l'aspect humain, et on le voit aussi parce que on a choisi de multiplier les approches individuelles, les parcours et les trajectoires individuelles. Donc, par exemple, avec l'exemple de Vermeer, j'ai l'exemple de Fortuné Henry, qui est membre de la commune mais assez peu connu, ou l'exemple de Parizel, qui est responsable de la délégation scientifique. Et donc là, il s'agit d'une contribution d'Éric Fournier qui se penche sur le cas de Parizel, à la fois pour étudier la culture des armes à cette époque-là, et puis pour poser la question de la postérité de la commune, puisque Parizel est finalement quelqu'un qui a été assez oublié, alors qu'il a un rôle central au moment de la commune. Alors, toutes ces trajectoires individuelles, on pourrait rajouter d'ailleurs Jules Montels hein, ou Louise Michel dont Marc a parlé, permettent de voir que la commune est avant tout un moment humain. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs probablement qu'elle est difficilement saisissable. Alors, pour conclure, je conclurai sur trois points. D'abord, sur premier point de cette conclusion, sur qui est la dernière partie de l'ouvrage en fait, qui est une approche des archives, c'est-à-dire que cette nouvelle approche de la commune, cette relecture de la commune, c'est aussi une relecture des archives et une nouvelle façon d'aborder les archives, non seulement les documents imprimés, donc les journaux officiels, les procès-verbaux de la commune, mais aussi toutes les archives manuscrites qui existent ou qui réapparaissent. Donc, j'ai parlé d'un journal familial, mais il y en a d'autres, hein, il y a des correspondances. Et puis, il y a une interrogation aussi dans cet ouvrage sur la fameuse série LY du SHD, du Service historique de la défense, qui est une série qui est en fait une série totalement artificielle, hein, puisqu'il s'agit des dossiers de l'administration de la commune qui ont été démantelés pour constituer les dossiers d'inculpation. Et donc, ça pose aussi, enfin, l'historien qui étudie ces archives doit aussi se poser la question de la manière dont ont été constituées ces archives, dont la manière dont elles ont été démantelées, dont elles ont été reconstituées, dont elles ont été parfois détruites. D'autre part, la relecture de la commune, c'est aussi une relecture qui est probablement de nos jours facilitée par ce qui existe depuis une dizaine d'années qui n'existait pas auparavant, à savoir d'abord le guide des sources de la Commune de Paris et des mouvements communalistes qui a d'ailleurs été édité avec l'aide de l'Association des Amis et Amis de la Commune de Paris, et puis avec la numérisation des sources. Or, la numérisation qui existe depuis un certain nombre d'années et qui est toujours en cours permet probablement une approche différente de l'histoire de la commune parce qu'elle permet d'aller plus vite, elle permet de voir un type d'archives différent et de varier les sources. Alors,
Deuxième chose concernant cette conclusion, ce livre était aussi un appel à de nouvelles recherches, puisqu'il y avait un article programmatique de Jacques Rougerie, où il invitait à étudier en profondeur les arrondissements, la gare nationale en liaison d'ailleurs avec l'étude des arrondissements, la province davantage, et puis Versailles qui est assez peu étudiée à l'heure actuelle dans les études sur la commune et qui mériterait une étude beaucoup plus approfondie. Alors Tombes l'avait fait pour l'armée versaillaise, hein, mais il y a encore d'autres choses à faire, et comme l'a dit Jean-Louis, quand on regarde les archives, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que l'on regarde différemment les archives et de façon plus approfondie avec aussi l'offre offerte par la numérisation. Et enfin, et ça sera mon dernier mot, Robert Tombes terminait la conclusion de cet ouvrage. On avait laissé à Robert Tombes cette conclusion puisqu'il a développé une très belle image, mais pas simplement belle, une image aussi stimulante, qui est celle d'un carrefour de la commune, à savoir, donc, dit-il, que c'est le carrefour de la commune, c'est l'endroit où se croisent, je cite, plusieurs chemins, larges ou étroits, donc boulevard de la République, avenue de la démocratie, rue du socialisme, ruelle de l'association, passage de la bohème, chemin du féminisme, etc. Et donc à partir de ce croisement, après il y a différents parcours, différents voyages, mais dit-il, donc pour terminer, pendant quelques semaines, de mars à mai 1871, une diversité de gens arrivant de toutes directions se rencontrent au carrefour de la commune. Un moment unique, imprévisible, jamais répété. Alors, je pense que, enfin, nous pensons d'ailleurs que ce concept est extrêmement stimulant parce qu'il rompt avec une vision trop linéaire de la commune, mais en même temps, il ouvre une discussion, et je terminerai vraiment par ça, je conclurai par ça puisque c'est une ouverture, à savoir que lorsqu'on parle de moments imprévisibles, et Jean-Louis en a déjà un peu parlé, l'a déjà suggéré, au fond, on accorde beaucoup plus d'importance probablement au hasard qu'à la nécessité et qu'au mouvement de fond. Alors, qu'à la nécessité sûrement, mais aussi qu'au mouvement de fond. Et donc là, il y a une vraie question sur ce qu'est la commune, hein, à savoir, est-ce qu'elle relève uniquement du hasard ou bien est-ce qu'elle relève d'un mouvement de fond, et probablement Tombes donne son interprétation dans cette dernière phrase, mais qui n'est pas forcément l'interprétation de tout le monde. Et de la même façon, lorsqu'il insiste sur cette juxtaposition, en fait, sur cette idée de carrefour, peut-être qu'il faut dépasser cette idée de juxtaposition et voir plutôt que la commune, et c'est ce qu'on avait dit, ce qu'on avait essayé de faire, hein, avec Marc, et non pas une juxtaposition des différents éléments, mais tout en même temps, à savoir à la fois patriotique et fédéraliste, à la fois républicaine et démocratique, et tant également une émancipation sociale. Donc, tout cela à la fois plutôt qu'une simple juxtaposition. Voilà. Merci. Bien, ben, merci beaucoup pour cette présentation passionnante et une ouverture stimulante. On a envie de se replonger dans toute une série d'ouvrages que vous avez cités, et notamment l'article issu de votre ouvrage, mais plus largement. On avait commencé notre année avec une présentation de Jean Lemaître sur la Commune des Lumières, une expérience communaliste au début du XXe siècle dans l'Alentejo au Portugal, et qui montrait finalement certains prolongements de la commune qui vivait à travers des expériences des personnes. Voilà, il y avait pas mal de points communs avec certaines de... Voilà, je ne vais pas prendre toute la parole, je vais laisser les questions peut-être. Francine, tu peux nous les mettre en avant-plan, les questions qui ont pu être soumises. Voilà. Et peut-être aussi rajouter Jean-Louis si c'est possible. Voilà. Si finalement, voilà, il y a un enjeu toujours de la violence, hein, dans les mouvements sociaux, notamment vis-à-vis de la commune. Voilà, est-ce que les communardes et les communards étaient pacifistes?
Jean-Louis est avec nous. Qui se lance? Ça y est. La réponse, je veux bien essayer, mais elle dépend aussi déjà de ce qu'on entend par pacifiste. Est-ce qu'on parle des circonstances? Est-ce qu'on parle de pacifiste par rapport à la guerre avec les Prussiens, c'est-à-dire la guerre extérieure, ou pacifiste au sens de transformation révolutionnaire et de guerre civile accompagnant une transformation révolutionnaire? Donc déjà, il y a les deux qu'il faudrait décliner de façon séparée dans la question, même si, personnellement, mais ce n'est qu'un avis, mais je pense que les communards aspirent à la paix, ça fait partie de leur ADN pour beaucoup. Mais de fait, on trouvera quasiment aucun communard se proclamant opposé à la guerre, à la défense de Paris, voire même à la défense nationale au niveau du conflit avec la Prusse. Donc leur patriotisme assez général, même s'ils sont universalistes, ils sont également très patriotes, les conduit à adhérer à la défense à la fois de leur ville et de leur capitale pendant le siège par les Prussiens. On sait que c'est un contentieux avec Versailles, que ce qu'ils considèrent comme une capitulation de l'Assemblée, en cédant aux exigences de Bismarck. Donc leur pacifisme de ce point de vue est remis en cause, en tout cas par cette participation à la guerre, indiscutablement. Et puis après, alors plus complexe, la question de la guerre civile, c'est-à-dire est-ce qu'on entend pacifisme, est-ce qu'ils ils sont quand même très imbibés pour beaucoup d'entre eux. Si on se contentait de faire l'histoire de la Commune par le père Duchesne, on n'aurait pas du tout l'impression que ces communards sont pacifistes. On a l'impression qu'ils sont d'une brutalité extrême et que la violence pour eux fait vraiment partie de l'histoire. Si on lit Le Cri du Peuple, on aurait eu un sentiment différent. Si on lit le rappel qui a soutient la Commune, mais avec beaucoup de prudence, on y verra au contraire une volonté de toujours orienter l'insurrection dans la mesure du possible vers le moins de violence possible. Donc, et puis après vient la question aussi de ce qu'on pourrait appeler une violence populaire spontanée, l'exécution des généraux et d'autres actes qui peuvent se produire, qui ne prennent jamais non plus une ampleur considérable. Donc la réponse à cette question ne peut pas être, à mon sens, en aucun cas univoque. Elle ne peut que se décliner suivant des circonstances, des moments, des situations et des groupements qui sont extrêmement divers. Mais je dirais quand même que globalement, dans leur esprit, je pourrais vous donner des très très nombreux cas d'exemples où ils souhaitent une société idéale, je dis bien idéale, dans l'idéal que je disais tout à l'heure, qui sera une société de paix, voire d'ordre parfait. Merci pour cette réponse circonstanciée. Laure, oui. Oui, monsieur. Oui, pour ajouter par rapport à ce que disait Jean-Louis Robert, je pense qu'on revient au tout à la fois, hein, c'est-à-dire que les communards sont patriotiques, mais ils défendent la patrie républicaine, déjà, la République, donc patriotique et républicain, en même temps, la République universelle. Hein, donc, effectivement, il n'y a pas de réponse univoque. De la même façon, pour la violence dont Jean-Louis a parlé à la fin, effectivement, c'est à la fois le père Duchesne et à la fois le cri du peuple. Hein, donc, c'est difficile de dire les communards et les communards. Tout dépend, encore une fois, de qui on parle et du moment. Et d'ailleurs, on peut être en même temps, encore une fois, patriote et républicain et favorable à la République universelle. Hein, ça n'empêche pas.
Merci. Une autre question, plutôt adressée à Marc César. Vous avez mentionné un impérialisme inconscient dénoncé par Louise Michel, si je ne m'abuse. Pouvez-vous développer sur ce qu'elle entendait par ce concept? Oui, comment le comprendre dans le contexte de l'époque? Donc, impérialisme inconscient dénoncé par Louise Michel. Oui, oui, Madame Goyava m'a bien entendu, effectivement. C'est ce que dit Caroline Eichner, hein. C'est pas moi qui parle, donc c'est toujours compliqué d'intervenir en tant que directeur d'ouvrage, hein, sur un article qui. Donc, Caroline Eichner, effectivement, parle d'impérialisme inconscient. Je peux compléter puisque elle souligne, hein, dans l'article, on est toujours obligé de synthétiser énormément dans ce genre de présentation, donc j'ai pas pu développer. Elle précise tout de suite qu'évidemment Louise Michel se définissait comme anti-impérialiste, qu'elle aurait hurlé si on avait entendu un tel jugement, et que en fait, si elle lui attribue ce qualificatif, c'est en termes d'éducation. Elle dit, en particulier au sujet de l'éducation, son attitude qu'elle qualifiait de paternaliste s'apparentait à une forme d'impérialisme. Alors après, je peux recourir à l'article, hein, pour citer Caroline Huchner. Ce serait peut-être mieux que de répondre moi-même de mémoire, mais je pense que je vous ai quand même répondu dans les grandes lignes. Elle nous dit, pour elle, comme pour beaucoup d'autres activistes progressistes de son époque, l'impérialisme signifiait la domination politique et socio-économique d'un peuple appartenant à une nation plus puissante sur un autre peuple. Elle n'aurait pas vu son approche de l'une ou l'autre colonie comme une forme d'impérialisme et aurait probablement contesté avec véhémence une telle affirmation. Voilà. Donc, vous voyez ce que je pense que c'était l'idée que développe Caroline Eichner, effectivement, dans son papier. Je ne sais pas si. Ok, merci. On peut renvoyer à la lecture de l'article pour plus de détails et de précisions. Comme tu l'as dit, ce n'est pas facile de développer la pensée de quelqu'un quand on n'a pas écrit soi-même le papier. Francis Ouard, évidemment, fait référence aux derniers travaux de Ludivine Bantini, qui devait venir aussi en Belgique pour parler de son livre, son approche, hein, sur finalement comment la commune continue c'est ce que un peu Jean-Louis Robert aussi a mis en évidence, continue de stimuler des actions depuis 1871. Et encore, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes notamment, et dans d'autres occasions ces dernières années, voire même avec les Insoumis, comment il y a eu cette permanence de la commune à travers l'histoire. Et ici, il y a presque un enjeu programmatique. Pourriez-vous indiquer en quoi l'expérience de la commune peut inspirer nos luttes aujourd'hui? Jean-Louis? Oui, on peut commencer par Jean-Louis. C'est moi qui vais répondre. Non, moi je réponds. C'est parce que c'est une question très, très immense. Alors là, qui concerne évidemment, bien sûr, le citoyen, parce que l'historien en soi n'est pas totalement immédiatement sur ce type de question. Donc je dirais que. Donc là, c'est vraiment un avis complètement personnel, hein, que pour moi. Alors, c'est bien, on ne va pas reprendre l'expérience de la commune. Vous avez plusieurs façons, parce que y a eu aussi des lectures, elle a dit il y a quelque temps, alors puis je me souviens d'une réunion où on avait été ensemble. Il y a eu aussi une lecture de l'expérience de la commune qui a été importante, que je n'ai pas beaucoup évoquée et que j'aurais dû, mais on est pris par le temps. Qui est tout simplement que la commune, et ça a été dit là récemment, la commune est un échec. Ça, c'est bien, on parle des décrets qui illuminent encore nos jours, de l'expérience démocratique, etc. Mais il y a aussi le fait que la commune est un échec dramatique, et que le peuple paye de son sang, de ses morts, de ses blessés, de ses déportés, de ses exilés, d'un drame terrible. Qui laisse le mouvement ouvrier exsangue.
Donc, on peut aussi, l'expérience de la commune, on pourrait aussi se dire, mais l'expérience de la commune, c'est aussi celle d'un essai. Et c'est cette analyse qui a porté parfois certains à expliciter que l'échec de la commune tenait à son inorganisation, que si elle avait eu un parti structuré et organisé, et non pas cette sorte de demi-anarchie qu'elle connaissait, selon eux, même si elle inaugurait une démocratie, elle manquait d'un parti. Même si elle détruisait l'État, elle n'avait pas le parti qu'il fallait pour gérer la phase transitoire, et d'où la nécessité qui sera notamment beaucoup repris par, disons, tout le courant léniniste, hein, et je simplifie à l'extrême, de la première expérience qu'il faudrait avoir de la commune, c'est de créer un grand parti qui dirigera ces luttes et conduirait au succès. Voilà, on a eu également sur l'expérience de la commune l'idée que l'échec tenait à son insuffisance de mesure dans un certain nombre de domaines qui seraient liés à ça, c'est-à-dire, par exemple, qu'elle n'a pas assez attaqué les fondements du capitalisme, comme la Banque de France, et que par là, elle a laissé des moyens aux Versaillais de constituer leurs forces. Donc, vous voyez, on a eu toute une catégorie de lectures de ce type qui ont été jusqu'à, au contraire, et c'est très important pour certains, que c'est pas dans la même lignée, que la communauté est un échec et que finalement l'essentiel c'est de ne plus tenter d'insurrection. Que l'insurrection, ce n'est pas la solution, et que la solution, ce sera la voie électorale. Alors, toute une série d'études, si vous lisez dans l'histoire de la commune, qui est dans la grande série de l'histoire du socialisme dirigée par Georges Jaurès, vous allez trouver une orientation de ce type. Au fond, la commune, l'expérience de la commune, c'est il faut aller faire un parti puissant, mais là moins pour diriger une future révolution victorieuse, mais un parti social-démocrate puissant pour avancer vers les conquêtes progressives et électorales. Donc vous avez eux aussi cette lecture. Il ne faut pas oublier toutes ces lectures qui a été la lecture, une sorte de lecture social-démocrate de l'insurrection. Vous voyez qu'elles sont très diverses. Et qu'elles correspondent à des moments de l'histoire. Alors, quelles sont les lectures actuelles? Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'expérience de la commune? C'est vrai que moi, j'ai assez tendance à penser que ce qu'on peut tirer de l'expérience de la commune, c'est ce que je disais au départ. Un, il y a tout le travail de l'historien, hein, qui est essentiel pour nous permettre de la lire et de la relire en tant que telle. Ça fait partie de comment tirer des expériences de la commune. Et deux, c'est de mettre en valeur ce que la commune a pu faire pendant les 72 jours comme expérience démocratique et sociale. Voilà, et parce que ça, c'est vrai que pour moi, il y a là des éléments d'une action démocratique et sociale qu'on peut discuter justement pendant des... et qu'on en discute encore actuellement avec passion est-ce que ça, c'était ou non, oui, non. Et c'est cette discussion avec passion de cette œuvre démocratique et sociale de la commune et des autres traits, qui est la façon, à mon avis, la plus importante de capter ce qui pourrait être un héritage de l'expérience de la commune. C'est de ça qu'à mon avis, je vois actuellement notre
notre responsabilité comme citoyens, et ce que je remercie encore une fois nos amis belges de ce débat qu'ils ont organisé. Merci. Je vous invite d'ailleurs pour la question. Samedi, Eric Toussaint reviendra sur comment s'inspirer de la commune pour parler de la dette et du crédit, notamment aujourd'hui. Marc, Laure, vous voulez répondre? Oui, Laure. Oui, je me demande si, au fond, ces réflexions sur ce qui peut se situer dans la lignée des expériences de la commune, elles sont liées aussi au renouveau historiographique, au fond. Enfin, il y a toujours cette combinaison entre mémoire, présent et histoire, mais c'est précisément au moment où on réfléchit aussi à cette question de la des aspects démocratiques et sociaux, de l'émancipation politique et sociale, de la mise en œuvre de la démocratie vraie, que on se demande effectivement si avec s'il n'y a pas une résonance avec les questions actuelles. Donc peut-être qu'au fond, le livre de Ludivine Bantini, La commune au présent, aurait été écrit très probablement différemment il y a 10 ans. Voilà, enfin ça c'est mon avis personnel. Mais je pense qu'il y a, il y a forcément un lien entre la manière dont on fait l'histoire, le présent et la mémoire. Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire dans ma réponse. Si, si. Tout à fait. Merci, merci. Marc, je vais devoir conclure, malheureusement. Non, je ne veux pas parler trop, c'est juste pour rebondir là-dessus. C'est une question évidemment très, très large. Effectivement, Laure l'a bien dit. Il me semblait juste que dans l'exposé de Jean-Louis, il y avait une piste de réponse très intéressante au début. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage de ce que tu nous as dit, quand tu nous as expliqué comment les idées étaient elles-mêmes érigées en point d'appui, en monument, comme s'ils avaient lu Horace un peu, hein, nous avons fait des monuments qui seraient plus durables que le bronze, plus durables que l'étain, je ne me souviens plus, et qui vont par-delà les siècles perdurer et parvenir à travers l'idée des grands textes. Et je pense que tu nous as donné une partie des réponses, hein, c'était celle qu'avaient laissé les communards. Après, je pense aussi que finalement, Laure a complètement raison, on est dans un contexte où c'est nous qui regardons ce passé, c'est nous qui nous contemplons avec notre présent, nos enjeux, etc., et aussi nos sensibilités. Et dans ce sens-là, je pense qu'on sera en difficulté pour répondre à la question, parce que tout simplement, chacun trouve dans la commune hein, ce qu'il a envie d'y voir, ou en tout cas, même en l'étudiant, va se focaliser sur tel ou tel aspect qui lui convient le mieux. Donc voilà, je voulais peut-être effectivement conclure que c'était sur le fait que c'était peut-être pas à nous de répondre à la question, mais à chacun effectivement de s'emparer hein, de ce qu'il va pouvoir trouver dans ce que nous avons qualifié d'extraordinaire laboratoire du politique. Voilà. Ben, c'est une super conclusion. Je n'ai pas grand-chose à redire. Peut-être la valeur de l'utopie en tant que telle, comme force mobilisatrice de changement de société, laboratoire d'idées également. Voilà. Mais ça laisse beaucoup de questions ouvertes pour nous, des lectures potentielles. On vous rappelle que vos livres, notamment, sont aux presses à l'Université libre de Bruxelles, ou évidemment à l'achat en ligne. On essaie de faire vivre les librairies également. Je vous remercie tous les trois. Je remercie encore Francine, je remercie tous les participants qui ont été là aujourd'hui et je vous invite à être présents mercredi, vendredi et samedi pour la suite de nos conférences avec vraiment une introduction ici qui nous donne l'eau à la bouche pour la suite. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Grand merci à vous. Merci. Merci à vous.